Bonjour, c'est Sandy Moon. J'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous présenter un livre qui est sorti au mois de septembre, que j'aime énormément, sur l'automne. Un livre qui est édité à Améthyste Édition. Un livre qui met de bonne humeur, qui met de la chaleur dans le cœur. C'est magnifique, rien que les illustrations comme ça, hein, les petites fioles, les petits champignons, les cristaux. Et puis ce petit chocolat chaud hein, qui nous attend avec un bon livre au coin du feu. Hein. L'automne, les saisons bien-être. Alors le guide de l'automne pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Alors il est vraiment couverture dure, très bonne qualité, magnifique. Vous avez envie de prendre soin de vous, mais vous ne savez pas par où commencer. Vous voulez adapter vos habitudes au gré des saisons sans vous imposer trop de contraintes? Ce guide est fait pour vous. Et oui, chaque saison a ses particularités et son rythme. On hiberne en hiver, on met le nez dehors au printemps, on danse jusqu'au bout de la nuit l'été, puis à l'automne, le rythme redescend doucement. Et vivre en harmonie avec le rythme de la nature, ça s'apprend. Dans ce guide à l'approche holistique, vous trouverez des trucs et astuces simples de naturopathie, pour traverser l'automne avec légèreté. Des explications accessibles pour mieux comprendre votre corps et vos émotions, des exercices de développement personnel, des méditations, du yoga et d'excellentes recettes pour verdir votre assiette en un tour de main. Reprenez le pouvoir et émancipez-vous des injonctions de la Healthy Police en toute bienveillance. Voilà, tout simplement. Alors, voilà, il s'ouvre ainsi l'automne, les saisons bien-être. On a le copyright de ce côté-ci, les éditions, l'année de sortie. Et alors, il est superbement illustré. Les remerciements. Le sommaire. Introduction. C'est magnifique. Petits champignons, les feuilles, le petit hérisson. Il donne vraiment envie de s'introduire dans l'automne tout doucement, avec bienveillance, avoir la pêche sans se prendre le chou. Voilà, c'est vraiment ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident à sortir de l'été et de rentrer à la saison de la récolte, de rentrer dans cette saison, dans cette période sombre. Hein. Et vraiment, il est superbe. Le calendrier, il a beaucoup de détails, zoom sur la nature, les illustrations sont magnifiques et sur un papier glacé. Il est magnifique, j'aime beaucoup. Quel animal êtes-vous cet automne? Les couleurs de l'automne. C'est beau, hein? Bien dans mon corps, bien dans ma tête. On sentirait presque l'odeur. La pomme, sentir la cannelle. Je vous le conseille vraiment. Il est superbe. Faire une belle balade en forêt. Se connecter à cette nature. Qui change de couleur, c'est superbe. Voyage dans les médecines ancestrales. Les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a vraiment des détails, des recettes, vraiment de quoi se sentir bien. Mes émotions. Alors évidemment, hein, cette période-là, les émotions, on est un peu comme les feuilles des arbres. Hein, y a des choses qui doivent sortir et partir. Pour les arbres, eh ben, c'est un renouveau après. Hein. Pour nous, c'est pareil. Magnifique. C'est ma saison préférée.
Mais ce livre nous apporte énormément. Les tisanes de saison. Alors on a les fleurs, hein. Magnifique. La lavande, ma préférée. Les illustrations sont vraiment superbes, les photos. Donc on apprend sur les fleurs, les herbes. La recette utile cette saison. Les huiles essentielles. Il est vraiment, vraiment rempli de plein de bonnes choses pour nous aider en cette saison, pour nous accompagner agréablement, car il est vraiment très plaisant à lire. Les cristaux à utiliser cette saison pour nous aider à nous accompagner est vraiment magnifique. Le yoga. Superbe. Un joli guide pour franchir cette saison en sérénité. Je mets les mains à la pâte. Les champignons. Vraiment, il est superbe. Les recettes d'automne. Liste des légumes de saison. Petit marron rôti au four. Ça donne faim. Il est complet. C'est un livre vraiment complet, à la fois pour notre bien-être, la nature, et puis ses couleurs même sur notre table. C'est très agréable. Tarte aux poireaux. Alors les bons plats de saison, magnifiques. Il y a vraiment beaucoup de recettes. Le jus de citron, le jus de charbon, pardon. Le jus au charbon actif. J'ai vu le citron là et j'étais inspirée. Mais c'est le jus au charbon actif. Et là, un tableau de visualisation d'automne. Donc la créativité vient rejoindre ce livre aussi. De belles choses à créer. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous espérons que vous allez prendre autant de plaisir à prendre soin de vous cet automne que nous avons eu à écrire ce livre. Rendez-vous dans quelques mois pour passer un hiver cocooning sous le signe du bien-être. Voilà, Azélis et Camille. Alors, c'est vraiment magnifique. Ce livre est vraiment fait avec beaucoup d'amour. Il est vraiment superbe. La bibliographie. Et là, les crédits photos. Enfin, il y a tous les détails, les sites internet. Et alors, avez-vous aimé l'automne? Et là, voilà, le prochain, c'est l'hiver. Donc, je pense qu'il sort au mois de novembre, il me semble bien. Oui, en novembre. Et il y aura cela pour toutes les saisons. Alors, voilà, ce magnifique livre, j'espère qu'il vous aura inspiré.
pour au coin du feu, avec un bon chocolat chaud, un plaid, pouvoir le parcourir. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.